Salut, c'est Baboun. Allez, on va faire un petit unboxing vite fait là, rapide. J'ai fait une petite commande. Quelques outils, puis des gadgets chez notre ami Fran. Donc Picous Fran, modélisme. Je vous mets une photo de sa carte là, maintenant là, partout, sur tout l'écran. Ok. Donc une petite boutique qui fait des petits articles pour le modélisme, des gadgets, des jouets pour les gamins. J'avais déjà pris. Et Fred, allez faire un tour sur la plage. Donc qui fait tout un tas de petits articles assez sympathiques. J'avais déjà pris un petit robot en fait. C'est une petite enceinte Bluetooth. Alors c'est pas l'enceinte de David Guetta, hein. J'avais offert ça à ma petite nièce. Et en fait c'était un petit chien que tu mettais la musique dessus puis qui remuait en rythme. Elle doit être aller dans ma liste des vidéos. Tiens, je vous mettrai le lien quelque part par là. Si j'y pense, faut que j'y pense. Et j'avais aussi pris pour tenir les caméras sur la tête là, les strings, super super sympa parce qu'en plus il est toutes les vidéos que j'ai fait en extérieur c'est avec ça et il y a une matière à l'intérieur en fait comme du silicone qui tient bien bien la tête. Donc ça c'est un petit cadeau ça. Top, je vais le mettre là. Ah bah oui parce que si je le mets là-bas on voit sur la cam ici. Ouais bon voilà. Tiens, là je te le fais voir de près. J'essaye autre chose avec le son, j'espère que ça va rendre correctement. Un petit. Eh ben, tu sais quoi, bouge pas. Je sais ce que je vais en faire. Hop là. Voilà. Tiens, toi, la clé de l'atelier. Et ben voilà, Fran. Alors, je te fais déjà des gros bisous. Je te remercie pour ça. Baboun. Hop là. Et maintenant. C'est officiel, mes clés ont été pimpées. Donc ensuite, je me suis pris une petite corde de cou pour les radios, donc de la marque Flasky. Ça peut se trouver un petit peu partout, mais bon, j'ai préféré le prendre chez Fran. C'est costaud quand même, hein. C'est à mon avis, tu risques pas de la paumer, hein, ta petite radio. Même le crochet, hein, est assez sympa. C'est du costaud. Bon, ça, c'est surtout si, quand j'aurai fait mon projet crawler, en fait. J'ai vu les mecs, hein, ils crapahutent assez un petit peu partout. La radio, vaut peut-être l'avoir mieux quand même attachée autour du cou, parce que selon les passages où on se met, hop, ou peut-être mieux l'avoir attaché là. Il y en a ma petite Fran. Ensuite, je me suis pris. Oh, bah ça sert toujours. Ça, c'est pour. Bon, vous avez vu hein, sur les sites. Alors, vous allez voir sur son site déjà à elle tout ce qu'elle a. Et vous allez voir sur le site à Bichente. Qui a fait une petite dédicace à notre Fran national. Il y a Papa RC aussi qui a fait un petit unboxing des pièces qu'il a pris chez elle. Il y a Fred aussi qui a fait un petit unboxing de petites pièces. Donc c'est voilà pour lui dire qu'elle a plein de copains, 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 plein de copains. Donc on pense bien à elle. Donc c'est le petit scratch, voilà, 4 petits scratch pour les pépiles. Je me suis pris ça aussi, je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Hop là. Donc c'est vendu par 4. Voilà, c'est le petit crochet en fait en 8. Tu peux relier ce que tu veux avec. Style RC hein, de toute façon. Hein. Mais bon, je sais pas, pour mettre, je sais pas, sur une radio par exemple, ou sur, voilà, si tu mets ça là-dessus, hop, et puis dessus tu mets ta clé de 17 quand tu paumes
Quand tu paumes tes roues, non, ça rentre pas là. Ah bah ça va rentrer là. Clac. Donc en couleur orange et bleu. C'est pas mal. Je trouvais ça assez pratique. J'ai pas encore d'idée, mais ça c'est le genre de petite connerie que j'aime bien avoir dans ma caisse à outils. Et le jour où tu t'en as besoin, tu l'as. Hop. Et je me suis pris aussi. Alors ça. Ça, c'est parce que je les ai vus chez Bicente, il les a. Fred, il les a. Et il n'y a pas de raison que je les ai pas. Parce que franchement, elles ont l'air super bien. Ces petites pinces. C'est une paire de petites pinces. Alors, ouais, voilà. Ça s'ouvre comment? Ah bah ouais, bien vu l'aveugle. Hop là. Bon, l'emballage, non ? Voilà. Et après, ça, petite pince de précision, en fait, et qui sont dans, en inverse des petites pinces à Bruxelles comme ça, en fait, où il faut serrer pour prendre la pièce. Hop là. Celle-ci, en fait, faut lâcher pour prendre la pièce. Et c'est vrai, hein, comme disait Fred, le ressort est pas mal. Hein. Avec bon plastique imitation bois sur les côtés. Bon, t'as l'air largement de quoi avoir une belle prise en main. Mais ça, bon, tu peux t'en servir, oui, pour aller chercher les petites vis que tu as fait tomber. Ou quand tu fais de la soudure, tu prends tes câbles là-dedans, pim, tu poses ça dans ta troisième main, et puis. T'as tes câbles qui sont alignés là pour faire des soudures bien propres. C'est pas mal comme petits outils. Oui, ça a l'air de bonne facture. J'aime bien. J'aime bien. Hein? Ça va servir. Ça, je vais les mettre directement. Avec. Voilà, ils sont déjà rangés comme ça. Donc voilà. C'était pour vous présenter où est-ce qu'elle est sa petite carte. Voilà. Bon, elle m'a mis un petit mot derrière. Elle me fait des gros bisous. Ça vous regarde pas. Baboune. C'est pour moi. Ah bah tiens, je viens de taper dans le micro. Alors, je suis en train de faire des tests justement avec un micro central. Deux petites cams et un micro central. On va voir ce que ça donne. Boutique en ligne de petits jouets, de drones, de véhicules, des robots, pièces détachées, du matériel, jeux de construction, jouets. Faut aller voir son site. Ça. Pour les anniversaires des petits, pour les anniversaires des grands aussi, pour se faire plaisir, des petites conneries. Et puis bon, c'est une petite boutique française qui se bouge, qui a toujours un petit mot sympa dans les coms, et ça fait plaisir, ça fait simplement plaisir. Donc ben, on peut lui rendre l'appareil, et puis commander 2-3 petits trucs chez elle. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Et puis ben, je vous embrasse tous, je te fais des gros gros bisous Fran, et puis ben, on continue comme ça. Allez, à très bientôt, tchuss.